Yo, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est la suite du tournoi Hearthstone. Je me suis fait kicker deux fois par notre ami DavBobs. Et voilà. Est-ce qu'il va jouer Shaman encore une fois? Je me demande. Je me demande s'il va rejouer Shaman. Il m'a joué deux fois Shaman. J'ai perdu deux fois. C'est compliqué. Voilà. Il joue Shaman. Il se casse pas la tête. Pour marteau du destin, je dois protéger la nature. Il a raison, hein. Il a raison, bien sûr. Puisque ça marche. Autant le garder. Bon, là, j'ai une meilleure main. Pas d'innerve. Bon, druide de la griffe. Yeti, druide de la griffe balayage qui arrive assez tôt. C'est très bien pour moi. Le problème, c'est que je n'ai pas de colère. Je n'ai pas de colère. Alors. J'ai fait pas mal d'erreurs sur les premiers matchs. Notamment avec le buzzard, tout ça, tout à l'heure. Je vais essayer de pas faire la même. Essayer de bien me concentrer dans ce match-là. Je pense qu'il y a vraiment moyen avec le druide. Mon troisième deck, c'est le voleur. Maintenant, maintenant, c'est compliqué. C'est vachement compliqué. On va le laisser piocher encore une fois. Mais j'avais pas envie de lâcher mon balayage sur ça. Donc je préfère mettre une créature. Est-ce qu'il va la grenouille? Ah non. Très bien. Oh, bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué. Là, je vous avoue que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je vais commencer à jouer les druides de la griffe, je pense. Cette carte. Ouais, druide de la griffe, je vois que ça. Le truc, c'est que si je pète tous mes sorts, enfin, j'aurai encore mes terres, tout ça. Il faut que je fasse gaffe avec à garder des sorts pour Maligos. Mais bon, là c'est pas vraiment mon problème vu que là le souci c'est un peu son taunt. Avoir une 4-6, avoir une 4-6, avoir une 4-6. Son deck Shaman est vraiment chiant. Pas vraiment le choix là. Il va commencer à me faire de gros dégâts. J'aurais plus de druide de la griffe, mais il peut le virer avec autre chose, grenouille ou quoi. Donc, oh putain, j'aurais dû le garder sur ça, météore. Et ce n'est pas un météore. Où dois-je frapper? Pourquoi j'ai pas fait mon pouvoir héroïque?
Où dois-je frapper? C'est compliqué. Mais je pense que bon. Je pense que c'est la lose. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Et voilà. 3-0 sur 4 matchs. C'est la lose totale. La lose totale. Bon, ça fait des semaines. Ça fait des semaines que je n'ai pas joué à Hearthstone et je me retrouve contre un chaman pendant les 3. Les 3 matchs. Quel deck prendre? C'est ça le truc. Quel deck prendre? Il a tellement de taunt que je peux pas le rush avec le voleur, avec son chaman. Mon main c'est le voleur bien sûr et il sait, c'est pour ça qu'il fait que jouer Jaman. Et là il me contre vraiment. Bon, je vais prendre peut-être le voleur quand même. Puis c'est tout pour le beau jeu. On est déjà 3-0, hein, ça ne changera pas grand chose à 4-0 ou quoi. Donc voilà quoi. Donc là c'est mon pire match-up, hein, mais j'ai pas vraiment le choix. Enfin j'ai pas vraiment le choix, j'ai le choix mais vous avez bien vu que le Hunt et le Druide se sont fait totalement rétamer. On va enlever les pas de l'ombre. C'est pas mal. C'est compliqué, c'est con, c'est compliqué. Je sais pas quoi vous dire sincèrement. Vu que là, c'est la lose totale. J'ai joué le rogue uniquement pour le beau jeu, mais est-ce qu'on va sortir un beau jeu? Là est la question. Là est la question. Alors, je peux... Chris, non, ça fait... ce que je peux faire. Je peux faire ça. Allons-y. Ok, s'il ne met pas un éclair sur ma 3-3, c'est très bien. C'est très très bien. J'aurais peut-être dû jouer quand même le rogue plus tôt. Parce que j'ai masse carte early. Mais par contre son taunt va être assez chiant à enlever. Donc je disais parce que j'ai masse carte early et... Et voilà quoi. Intéressant. Ok, donc là il faut que je fasse 3 de dégâts à tout le monde. C'est compliqué.
c'est toujours compliqué avec moi, c'est bizarre. Oh, c'est très bien ça. Nous avons soif de vengeance. Ouais, j'aurais carrément dû jouer mon deck, mon main en fait, depuis le début. Oh, je suis con. J'aurais pu faire une prépa. Là en fait il manque Leroy et j'ai gagné. Un petit Leroy. Non, pas pour le moment, il n'a pas envie, il boude. Il boude le Leroy. On va faire commissaire priseur. Prépa. Hop. Très bien, merci, vous êtes gentil. On va faire assommer. Très bien ça. Et on fait... J'ai combien de cartes? J'ai 3 et 3, 6 et... Oh, j'en ai 10. C'est mort. Je peux faire un jet de besoin. C'est l'heure des comptes. C'est mort. Bon, avec un sort plus un dégât des sorts, il peut m'enlever les commissaires présents. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Je suis dans la merde. Tempête de foudre, ok. Laissez-moi un commissaire priseur, Oui, il met sa commissaire priseur, c'est très bien. Puis j'ai vu ses raids. C'est très bien. Oh, oh putain, la prépa. La prépa qui se barre. La petite prépa qui se barre. C'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire maintenant, tout de suite. Oui, maintenant. On va faire ça. Plutôt pas mal ça. La prépa n'est plus. Ce gars est foutu. C'est l'heure des comptes. Ouais, bon bah Rogue Mira, clairement, c'était ce que je devais jouer. Ça me fait tellement chier. C'est mon main en plus, et quand j'ai vu Shaman, je voulais pas le jouer. Parce que normalement, c'est Shaman, c'est mon pire match-up. Mais bon, peut-être que non, finalement. Oh, Leroy, il est là. Oh, le beau. Il me restait une carte pour finir. C'est le moment, allons-y. Donc voilà, j'aurais dû jouer Rogue. J'ai perdu 3-1 cette manche contre Davbobs. Bien joué à Davbobs en tout cas. Et je pense que c'est le tournoi qui file. Peut-être prochain tournoi. Je suis un petit peu deg parce que j'aurais dû jouer le voleur. J'aurais dû jouer mon main en fait depuis le début. Et je sais pas, j'ai voulu jouer des decks un petit peu contrôle. Druide, j'ai voulu me cacher derrière les taunts avec le chaman. Et en fait c'était une grosse erreur. Clairement le deck miracle. Il y a tout en fait, je peux virer des taunts. Je peux les remettre dans sa main. Je peux virer de grosses créatures, j'ai du dégât des sorts. J'ai max pioche, donc même si j'ai pas une bonne main au départ, tant que j'ai un commissaire priseur qui sort, c'est très bien. Voilà, là ça m'apprend. Ça m'apprend que je jouerai mon main la prochaine fois, et puis c'est tout. Maintenant, j'espère que quand même vous aurez apprécié les matchs.
Je vous les mets quand même si c'est pas terrible, à part le dernier qui peut être bien. Voilà, je suis vraiment désolé de ma prestation. Je suis vraiment déçu aussi de ma prestation, de moi-même. J'aurais voulu faire mieux. Voilà. Si vous voulez me consoler, n'hésitez pas à liker la vidéo. Hein. Vous pouvez aussi, si vous voulez me consoler encore plus, vous pouvez la partager. Oui, sur Twitter et sur Facebook. Jean, je vous face dans le book. Bye bye, à plus.